Tout ça est ridicule. Comment cet entraînement va-t-il rendre invincible United encore plus... invincible? La résistance est la clé. Les tests montrent que cela augmente la force et la vitesse en conditions de match de 27%. La seule chose que ça améliore, c'est leur envie de dormir d'environ 1000%. Je veux que nous dépassions les Super Strikers désormais. Cet entraînement en résistance est futile. On se retrouve en direct de Strikerland. Les Super Strikers affrontent le club Palmentieri tout de suite après ces quelques messages. Yo, c'est moi, Cool Joe. Vous vous demandez comment ça fait d'être à ma place? Vous le serez en essayant ma nouvelle ligne de basket. Vous les trouverez bientôt chez votre détaillant habituel. Soul Power, bébé. La résistance. Le jeu. Voilà la réponse. Il faut trouver un moyen de museler cette force dont parle Cool Joe. Avant le prochain match des Strikers. C'est jour de match, Strikerland. Les Super Strikers affrontent le club Palmentieri. Je suis prêt pour un peu d'action avec mon écharpe de la Super League. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, je suis prêt pour un peu d'action avec mon écharpe de la Super League, Brenda. Wow. Elles sont vraiment belles, Cool Joe. Hein? Le bloc peut en essayer une paire? J'ai une paire à sa taille, mon frère. Hey, et si tout le monde portait mes chaussures pour ce match? Ça aiderait vraiment pour le coup d'envoi de cette nouvelle ligne. Pas question. El Matador ne porte que ses propres chaussures. Allez, El Matador, donne un coup de main à un frangin. Et si je te proposais de jouer ma musique préférée dans ton club pendant une semaine? Ah, bon, marché conclu. Oh, tu violes les règles, mec. Oh. Couvre-moi ça tout de suite. Je ne pensais pas que les Strikers puissent jouer si bien. Leur timing a été impeccable aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression de regarder une chorégraphie où les Super Strikers sont parfaitement synchrons. Dancing Rasta, votre équipe n'a jamais aussi bien joué. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? C'est notre timing, madame. On est tous réglés comme des horloges. On a aussi reçu un coup de main des nouvelles pompes de Cool Joe. Shakes, ça fait pas des années que vous portez ces chaussures? Eh bien, en fait, je... À la lecture de la performance réalisée aujourd'hui, les nouvelles chaussures de Cool Joe font vraiment la différence. Les Super Strikers doivent encore disputer deux matchs. Colossus et Cosmos, attention. On peut à peine sentir la différence de poids entre les deux chaussures. On a utilisé une doublure en alliage de plomb qui absorbe l'humidité. Au cours de leurs deux prochains matchs, les Strikers vont jouer dans des conditions humides. Les chaussures vont progressivement s'alourdir à raison de 600%. Est-ce que ça va marcher? Plus ce sera humide, mieux ce sera. Et maintenant, on substitue ces chaussures aux Soul Powers de Cool Joe. Oh? Votre timing doit être parfait, quelles que soient les conditions. Ce parcours d'obstacles glissants va vous aider à vous affûter. Pas mal du tout. Ça pourrait marcher en match. Ouais, man. Si on joue cette action en match, je me place à cet endroit. Essayons de le refaire. Qu'est-ce que le boss fait ici? Cool, Joe. Hein? Depuis le match d'hier, tout le monde veut tes nouvelles chaussures. On pourrait se faire un paquet de fric avec ça. J'ai décidé que l'équipe porterait ses chaussures jusqu'à la fin de la saison. C'est trop génial, mec. Ah, voilà, ça, c'est parlé, patron. J'ai programmé un lancement officiel. Je veux que vous soyez tous là. Ha ha ha.
Bienvenue chez Cool Joe's. Billet, s'il vous plaît. Livraison pour Cool Joe. Ouais. Allez-y, c'est par là. C'est bon, gardez vos commentaires. Où sont ces chaussures? Je veux les voir. Elles arrivent. Je vous présente... les Soul Power par Cool Joe. Cool Joe, nous avons tous vu à quel point vous avez bien joué hier avec vos nouvelles chaussures. Où se situe la différence? Que ce soit sur une piste de danse ou sur un terrain, une chaussure doit mettre en valeur votre style. Le timing des Super Strikers est parfait. C'est notre arme fatale. Et ces chaussures sont conçues pour la mettre en valeur. Et elles sont garanties contre les mauvaises odeurs, comme peut en attester El Matador. Oh. Vas-y doucement avec les mauvaises odeurs, Shakes. El Matador, même vous, vous allez porter ces chaussures pour le reste de la saison? Oh ouais, maintenant ces chaussures seront encore plus populaires. Si je les porte, elles seront en super vogue, non? Est-ce que c'est le moment de changer? Vos deux prochains matchs sont contre Colossus et Orion. Ce sont deux grosses équipes. Hé hé, on n'est pas des femmelettes. Et puis maintenant, on a les Soul Power, hein, Cool Joe? Cool Joe? Hein? Oh ouais, t'as tout compris, bébé. Allez, Shex, donne tout ce que t'as. Ah, Spence a dit, aucune chance que tu marques un but. Tu vas jouer comme ça aujourd'hui contre Colossus, Shex? À chaque fois que j'en aurai l'occasion, frérot. Oh. Super frappe, mec. C'est la passe qui a tout déclenché. Le timing était parfait. Hé, hey, tu crois que tu pourrais m'apprendre un ou deux trucs? Désolé, gamin. Je dois donner quelques leçons à Colossus. Mais tiens, elles m'ont aidé à arriver où je suis. Peut-être qu'elles t'aideront à toi aussi. Wouah! T'es sérieux, Chase? On se voit en Super League. Wouah! Merci! T'es sûr de vouloir lui donner tes chaussures, mon frère? J'en ai plus besoin, Spence. Les chaussures de Cool Joe sont géniales. D'accord. Du moment que tu ne jettes pas tout ce qui fait de toi, Shakes. Shakes? T'inquiète pas, mec. Si je vais trop loin, je sais que tu me ramèneras à la réalité. On se retrouve à Strike Island? Je serai à ma place habituelle. Jour de match à Strike Island. Les Super Strikers sont en super forme. Et ça va sûrement continuer ce soir. Oh, je crois que oui, Brenda. Quoi encore? Je porte le nouveau protège-dents officiel de la Super League. C'est vous dire à quel point j'aime ce sport. Hé hey. Vous savez où je peux trouver les gants de boxe officiels de la Super League? Allons-y! Voilà une image tout à fait inattendue. Un joueur du Colossus qui bat Dancing Rasta à la course. C'est bien la première fois que je vois ça, d'ailleurs. Persus brûle la politesse au bloc devant les cages et marque le premier but du match. Cela fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu les Strikers jouer aussi mal. Mac, quelque chose à ajouter? Oh, Big Bo n'a rien pu faire pour l'arrêter. Merci beaucoup. C'est comme si les Strikers ne jouaient pas tous dans le même match. Ils ont toujours un temps de retard. Je ne comprends pas ce qui se passe, Brenda. On dirait que les Super Strikers tentent vraiment de corriger le tir. Ah.
sais pas ce que les strikeuses ont essayé de faire là, mais ce n'était pas très concluant. Bizarre, ça marchait à l'entraînement. Match est plié. Colossus joue très physique d'habitude, mais ils n'en ont pas eu besoin aujourd'hui. Tout ça, c'est de ta faute. J'ai l'impression de patiner dans la semoule. Aujourd'hui, je ne joue pas comme un tigre. Je joue comme une limace. Yo, boss! Comment avez-vous pu négliger votre forme à ce point? Vous essayez de saboter les ventes des chaussures de Cool Joe? Regardez les chiffres de vente. Tout ça, c'est parce que vous gagnez avec elles. Si vous commencez à perdre, vous savez ce qui va se passer. C'est à cause de ces maudites chaussures qu'on perd. Ouais, on dirait qu'elles sont super lourdes. Méga lourdes. Même Block trouve qu'elles le ralentissent. Si on compare les deux, elles pèsent exactement le même poids. Je crois que vous vous cherchez des excuses pour mal jouer. Ce qu'il faut, c'est travailler plus dur sur le timing à l'entraînement. Et on garde les chaussures de Cool Joe. Et donc, après leur défaite d'aujourd'hui, les Super Strikers descendent au classement. Et vous pouvez être sûr que le club Orion, leur prochain adversaire, ne va pas les aider. La météo annonce de la pluie pour le match, ce qui va favoriser le style... La pluie! J'aurais jamais cru que j'aimerais autant ce mot. Ces chaussures vont littéralement se gorger d'eau et plomber les espoirs des Super Strikers. Les chaussures de Cool Joe font partir les Strikers du mauvais pied contre Colossus. Les nouvelles chaussures battent les fesses des Super Strikers en Super League. Oh, je veux pas voir ça. Désolé, Cool Joe, mais j'ai pas confiance en ces nouvelles chaussures. Je vais reprendre mes anciennes pompes. Oh, que j'ai donné à quelqu'un. Je me suis pas senti aussi mal depuis le jour où j'ai renversé du chocolat chaud sur mon disque préféré, mec. Tout ça, c'est ma faute. Ah ah! Je pensais que les chaussures de Cool Joe t'avaient donné deux pieds gauches, Shakes. Les conditions climatiques vont affecter les deux équipes, mais comme les Orions aiment garder le ballon en l'air, ils auront l'avantage. Oh, vous avez raison, Brenda, hein, ils auront l'avantage. Oh, quoi encore? C'est le chewing-gum officiel de la Super League. Bon, on pouvait penser que ces conditions allaient ralentir les deux équipes, mais les Super Strikers font vraiment pitié. Il est difficile de dire si c'est le temps humide ou autre chose, mais encore une fois, les Super Strikers semblent avoir perdu leur timing. Je ne crois pas qu'ils soient en mesure de gagner ce match en jouant comme ça. Si vous avez dit ce que je crois, vous ne pouviez pas mieux dire. Les Orions volent au-dessus du sol comme des fantômes, tandis que les Super Strikers semblent scotchés à la pelouse. Mon plan fonctionne à merveille. L'invincible United sera bientôt top et les Super Strikers seront dans les... Oups. Il reste 10 minutes en première mi-temps. Et à mon avis, ce n'est qu'une question de temps avant qu'Orion ne double la mise. Je la capture, je la caresse, je frappe en rupture et je fais des prouesses. Ah. Oh. Il y a vraiment un truc qui va pas. Il est temps de changer quelque chose. Hein? Shex n'est pas en train de te dire quelque chose? Trois mots. Non, un peu plus. Appelle le gamin à qui j'ai donné mes... J'ai compris. Spenza, passe à l'action. On dirait que Shakes préfère jouer pieds nus. Et ce, en plein milieu du match. Il y a au moins un strikeuse qui a retrouvé son timing tandis que cette première mi-temps se termine. Pour clore cette mi-temps. Et à voir la façon dont les Strikers jouent aujourd'hui, ce petit but d'avance pourrait suffire. Allez, mon frère.
les a donnés, mec. T'étais là, tu l'as vu. Ouais, c'est vrai, il était là. C'est vrai, mais bon, je te les ai changés. Je t'offre une paire des nouvelles Soul Powers de Cool Joe en échange des vieilles pompes de Shakes. Qu'est-ce que t'en dis? T'es fou, tu sais ça? Prends-les. Les Soul Powers, c'est les meilleures chaussures de foot de tous les temps. Ouais, prends-les, vas-y. Oh, mon gars. Hey, reviens un peu ici. Shakes a mieux joué sans ses chaussures. Peut-être qu'on devrait tous faire pareil. Et finir avec les orteils en bouillie et tout déformé? Ah ça non! Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond avec ces... Spenza! Wouhou! Salut mes vieilles copines! Jakes, tu crois vraiment que ce sont ces chaussures qui nous jouent des tours? Mais en fait, c'est bien un détecteur de métaux, pas vrai? Oui, monsieur. Et il détecte du métal dans mes chaussures? C'est impossible, mec. Bloc. Oh, wow. Une fine couche de plomb. Pas étonnant que vous soyez aussi lent. Mais comment se fait-il que le métal s'alourdisse encore et encore? Ouais, moi je sais. Le métal est poreux et il absorbe puis rejette l'humidité pendant que le... J'ai jamais été fan de heavy metal. Maintenant, on sait ce qui plombe nos performances, non? Vous avez compris? Vous avez compris? Quelqu'un a visiblement échangé nos chaussures entre le premier match et celui contre Colossus. Ça alors, je me demande bien qui c'est. Bon, et maintenant? On est toujours mené 1-0. Comment on va faire? Encore cette main, hein? Quelqu'un a décidé pour nous. Les Super Strikers sont de retour, avec des chaussures différentes. Quoi? Les Strikeuses ont retrouvé ce qui leur faisait défaut. Voilà une manœuvre parfaitement exécutée. Les Strikeuses prennent maintenant le pas sur Orion. Ah! Le temps s'écoule rapidement, mais les Strikeuses ont le contrôle. Arriveront-ils à gagner? La dernière fois qu'on a vu ce signal, cela s'est très mal passé pour les Super Strikeuses. Shakes, après cette première mi-temps ratée, comment avez-vous inversé la tendance? C'est notre nouvelle technique, la résistance. Alors, on débute avec des chaussures plombées et quand on les enlève, on a l'impression de voler. C'était une idée du coach. Je crois qu'ils ont inversé la tendance contre nous par un facteur de 98%. Dois-je modifier vos réglages pour le... Je crois que je vais faire sortir 100% de ma petite personne. Celle-ci ne présente pas la moindre trace de métal. Je crois que les seules chaussures qui ont été trafiquées sont celles qu'on portait pendant le match. Excellent. Finalement, les ventes de ces chaussures crèvent le plafond. Ce scandale s'est révélé être la meilleure campagne de pub dont nous pouvions rêver. Ben, du moment que je peux recommencer à porter mes anciennes chaussures, boss. À ce sujet, où est cette vieille chaussure toute dégrillée? On pourrait la vendre aux enchères sur Internet.